Bien, salut tout le monde, c'est Zoom35 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Road to Glory Fit Balotelli. Donc celui-ci, j'ai décidé de le faire en live, pour le premier match avec Balotelli, j'ai décidé qu'on le fasse en entier ensemble. Ce sera un petit match en ligne bien sûr. Donc, on va tout de suite aller prendre Balotelli. Donc, vous pouvez voir ici que c'est celui de mon autre compte, hein. Vous voyez bien Trade and Play YouTube, hein. C'est bien mon compte de. Je l'ai mis à un prix inaccessible, comme ça je suis sûr de ne pas me le faire piquer. Donc je vais mettre celui-là, Iliev. Allez hop. Oui. Voilà, donc là je vais juste sur mon ordi qui est juste en dessous. Et hop, je le récupère. Vous avez reçu une offre pour Balotelli. Et attention, on accepte l'offre. C'est vachement équitable. Attention, retour. Et voilà les gars, Mario Balotelli rejoint notre club. Donc comme prévu, donc on va pas le mettre dans l'équipe là, joueur rare obtenu. Voilà, Fit Balotelli. Donc non, je vais pas faire. Ouais, j'ai fait comme ça, je vais le garder dans le club. Et donc vous allez voir ce qu'on va faire donc pour créer l'équipe. Donc alors, voilà, Balotelli. Donc comme je vous avais dit, on va faire ça. Non, en fait, je vais la supprimer. Je vais récupérer celle-là. Voilà, c'est du direct, les gars. J'avais pas prévu ça. Non, mais je vais la supprimer et je vais en créer une nouvelle. Je vais l'appeler To Glory Fit Balotelli, mais sans majuscule. Parce que sinon, ils vont pas vouloir me le faire. Hop. Bâtissez votre équipe. Ah non, il fallait que je fasse créateur d'équipe. Donc c'est pas ça, donc bon, tant pis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer. Là, je suis vraiment... On va mettre B, H, voilà, H, B. H, c'est bon. Alors, utiliser le créateur, voilà, je suis désolé, c'est le direct. Bronze. Et donc, on va mettre que des joueurs bronze, on va mettre Balotelli dedans. Donc, création d'équipe terminée. Et voilà ce qu'il nous donne, donc... Voilà, c'est les joueurs bronze que j'avais au début, donc c'est ça, comme ça on part bien de joueurs bronze. Donc on va mettre la composition de Balotelli, donc le 4-2-3-1. Donc le 4-2-3-1, moi je trouve que c'est une formation que j'aime bien, mais voilà. Et on va malheureusement retirer l'attaquant qui est devant là tout seul. Le pauvre. Il va s'en aller et il va laisser place à Balotelli. Ah, bah voilà les gars, donc on va voir si on a des joueurs, une composition. Ah, 4-2-3, ah, le BU. Mince. Alors, est-ce qu'on a un AT? Non, on n'a pas d'AT, donc on va mettre celui-là, là, Mofa. Hop. Ah, c'est la composition en plus, parfait. On va mettre Valdivia en MDC. Voilà, on essaye de faire une équipe assez potable. Soro, dans les buts, bon, on va laisser ce gardien. On n'a pas de MOC, non. Non, on n'a pas de MOC, donc on va mettre sur le plat là. Hop, grandissons en défense. En défense droite. En défenseur gauche, ça va à peu près, les gars. À part lui qui est pas à son poste, donc c'est pas bon, on va mettre celui-là, c'est pas assez. Voilà, comme ça il a un petit lien avec Balotelli, vu qu'il joue à Wigan. Donc nous avons combien de crédits? Alors on a 2360 crédits, donc on va aller voir si ça s'est vendu, mais apparemment non. On va tout jeter. Ça me sert à rien. Hop. Réveillère, on va le jeter aussi. De toute façon, on part de joueur bronze, donc ça va pas nous servir à grand chose. Et donc, on va jouer notre premier match. Donc, peut-être avant, je vais pouvoir acheter Borini. Je vais pouvoir acheter peut-être Borini. On va voir s'il existe en AT. Je suis pas sûr. Enfin, juste pour avoir un duo d'attaque, parce que sinon, ça va être. Ça va être très dur. Ah non, c'est du Suarez. Alors, Italie. Non, donc il existe seulement en BU. On va le prendre, c'est pas grave. 500 crédits. 450 ici, donc on va prendre celui-ci. Donc lui, il sera dans notre équipe finale, hein, les gars. Je vous dis, je vais acheter Borini, comme ça, ça va être plus facile pour... Pour essayer de marquer des buts, pour faire des contre-attaques, etc.
Voilà, donc je vais pas acheter d'autres joueurs parce que comme ça on va démarrer, on en achètera un autre à la fin de l'épisode pour le prochain épisode. Donc les prochains épisodes ce sera pas comme ça les gars, là c'est juste spécial, mais les prochains épisodes ce sera pas comme ça, ce sera des petits épisodes de 6-7 minutes où je ferai des résumés comme les Road to Glory de Boateng si vous m'avez suivi pendant ce moment. Donc voilà, ce sera des comme les Road to Glory de Boateng. Je vais voir si je peux avoir un BUAT pour pas cher. Normalement il y en a, hein, c'est pas très très cher, BUAT. Voilà, 300 crédits, parfait. On va le mettre sur Borini. On va disputer notre premier match, donc ça va être un match de division, hein, je pense. Voilà, hop là, Borini, c'est bon. Borini, je crois que c'est 4 étoiles de geste technique en plus, donc c'est vraiment bien. Donc on va prendre une cohésion équipe. Voilà. Allez, 350. Et on va donner tout ça à notre équipe. Voilà, pour augmenter leur morale. Parce que les gars, ça joue le moral hein, dans le club. Enfin, par rapport à votre équipe dans un match. Donc, alors c'est parti. Saison en ligne. Donc, division 5. Hein, j'ai pas encore commencé. J'espère qu'on va pas se prendre un revers pour commencer. Hein, normalement, voilà, c'est bon. Donc, c'est pas une équipe très très forte en défense, mais voilà. Beauté, vous avez remarqué qu'il a 97 contrats, donc quand je l'avais acheté, c'est quand même pas mal. Je remodifierai le nom de l'équipe, là, HBH après. Voilà, ça commence bien. Adversaire a quitté la partie. Allez, c'est parti. Ouais, allez, c'est parti. Bon, j'espère qu'on va pas se prendre une claque pour commencer. Ouh là là, il y a des joueurs or. Bon, le collectif c'est pas ça, hein, 34, mais il y a quand même des bons joueurs. Il y a un gardien en or, donc le gardien costaricien. Il y a Oli Chelmander en pointe. Je sais pas ce que ça va donner. Il y a des joueurs bronze aussi qui sont pas terribles. Donc on espère gagner ce match. Hein. Bon, moi j'ai Balotelli, donc en attaque ça devrait aller. Mais j'ai un peu peur pour ma défense, donc on va essayer de s'en sortir. Ça c'est Borini, je crois. Ouais, Borini. S'il pouvait nous faire ça, ce serait pas mal. Allez, c'est parti. Balotelli capitaine. Hein. Allez, c'est parti. Borini, Balotelli, on va jouer avec eux de toute façon. Voilà, c'est parti pour 90 minutes. Allez, les gars, c'est parti. Allez, Valdivia. Donc là, je vais éviter de trop jouer avec mes autres joueurs. Hein, parce que regardez, c'est pas du tout rapide. Allez, ça commence. Une pause. Ah, ça se trouve, il va nous faire rentrer des joueurs. Enfin, je trouve ça inutile personnellement s'il nous fait rentrer des joueurs bons parce que pff, maintenant il n'y a plus de système de rééquilibrage et il n'y a plus de système de. Enfin, le jeu ne trouve pas des adversaires équilibrés pour un match. Vous pouvez tout simplement faire un match en division 1 avec une équipe bronze et 3 de collectif contre un mec qui a du Messi Boost et du Cristiano Ronaldo. Donc voilà, il n'y a pas de. Ça change pas de ce côté-là. On va voir si on peut. Elmander contre une passe et ma défense. Oui, bonne défense de Soro. Contre-attaque. Borini. Balotelli. Allez, Mario. On est vers la zone de vérité. Il faut centrer. Voilà. J'ai été renversé. Regardez, il commence à la décision de l'arbitre. Est-ce qu'il est bon à coup franc? 90 de puissance. Ouais. C'est puissant quand même. Et ça va dans le mur. On met un loin dans le mur. La personne à la récupération. Borini. Ah c'était un joueur fini. On va pas faire tirer Balotelli. Est-ce qu'il y en a un autre bon qui tire à Borini? Il va tirer comme ça. Balotelli va essayer de mettre sa tête. Et là, ça revient. La tête du défenseur là qui. L'occasion peut-être avec cette frappe. La frappe de mon défenseur, je crois que c'était Soro. Ça peut être dangereux. Est-ce qu'on a un gaucher? Ouais, mais j'aime bien tirer les corners avec les joueurs. Voilà, le pied gauche va tirer à droite, etc. Et Balotelli, oh le poteau. Il est à l'interception. Allez, frappe. Oh là, la parade du gardien. Bon, on est en train de pour l'instant. Hein. Le gars, sort en corner. Il y a pas mal de corners dans ce match pour le moment. Allez, il y a Soro. Ah, c'est arrêté par le gardien. Alvarado, voilà, c'est ça son gardien. Je vais faire attention aux contre-attaques parce que voilà, j'ai des joueurs de bronze derrière. Il y a juste devant Balotelli et Borini.
Regardez là, faire gaffe, il faut bien se replacer. Ouais, alors, c'est regardez, tout il est à la ramasse. Voilà, Valdivia. Ah, ils peuvent récupérer oui. Le ballon finalement. Bien joué. Fabio Borini. Passé Borini. C'est parti. Voilà. Et le Théli Batois. Bien joué. Aïe aïe aïe. Il ne fallait pas perdre ce ballon, mauvais contrôle de Soro. Oh, est bien joué. Oh là là, Garnier qui relâche. Allez, 1-0 pour l'adversaire. Comme j'ai dit, les gars, c'est ma défense de bronze hein, qui fait défaut. Le timing est extraordinaire. Allez, vas-y. Là, Soro, il a perdu le ballon sur un mauvais contrôle. Là, mon joueur qui tire à côté, il n'arrive pas à se dégager. On a l'impression ça fait 1-0 pour l'adversaire. Sauf que le score a bougé. Bon, c'est pas dramatique, hein. Il y a le temps de revenir. Surtout que j'ai fait une barre, un poteau, etc. Allez, Balotelli. L'anticipation sur cette passe. C'est pas mal les contres favorables aussi. Là, ça arrive, hein, c'est FIFA. Il va pouvoir lancer le compte. On peut pas avoir de la chance à tous les coups. Ouais, départ de Borini, mais malheureusement. Là, c'est finalement la défense qui a le dernier mot sur ce contre. En fait, il tire dans mes joueurs et. Allez, c'est parti. Ce ballon est perdu. Bien joué pour Balotelli. Oh, belle passe. On enroule. Oh là 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 là. Il a eu le temps de tacler. Tête de Balotelli. Alors, oh, quel dommage, l'arbitre qui s'y dommage, il a eu le temps de tacler. J'aurais dû tenter un petit dribble. Mais... Il avait bien senti le coup. J'aime pas marquer les buts comme ça, mais là, il a encore eu de la chance. Il va falloir que je commence à m'énerver un peu. La belle. Oh là là là, son gardien il est partout. Lui il a eu un tir, un but, hein. C'est comme ça, hein. Des fois c'est FIFA. J'ai jamais de chance quand je fais du live comme vous. Mais bon. Allez, gardien, voilà, tranquillement, on se relance. Voilà. Il faut voir que j'ai aussi débloqué la célébration de Balotelli. Ça pourrait être pas mal. Allez, allez Mario. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Allez, gardien. Les 30 derniers mètres. Oui, bien joué Soro. On va essayer. Oh non. Un bel effort pour revenir. J'ai du mal avec mes joueurs bronze, les gars, et un collectif assez pauvre. Avec Valdivia. Surtout qu'il n'y a pas de rééquilibrage cette année, donc. Interception. Ouais. Ça va être compliqué de gagner ce match. Ah, il était hors jeu. Hors jeu, ouais, tu laisser l'avantage. On va essayer de trouver Balotelli là-bas. Tous les contre, c'est pour lui. Grandissons. Pierre-Yves Valdivia. Allez. Ok, c'est bien donné ça. Oh, ça peut déboucher sur quelque chose peut-être. Balotelli en profondeur. Yes. Oh, la petite balle piquée, j'ai tenté. Mais bon, ça passe pas. Hein. Ça veut pas rentrer aujourd'hui. Le dieu du foot sur mon adversaire. Oh, regardez ça. Encore un contre favorable. Là, je vais tenter. Bien joué, gardien. Oh là 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 là, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible, regardez la chance qu'il a. Oh là 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 là. Regardez mon gardien qui se trouve complètement. Déjà il a un contre favorable. Et mon gardien qui se craque complètement. 2-0. Ils ont à présent une avance confortable. J'ai pas de chance, ça veut pas rentrer. Bon, après c'est peut-être mon niveau qui est pas suffisant non plus, hein, mais voilà, je me considère pas comme quelqu'un de bon en FIFA, je fais des vidéos de FIFA parce que j'ai envie, voilà, tout simplement. Il intercepte. Je me considère pas comme bon, enfin j'ai un niveau correct, mais là je peux pas doser ma chance ni rien. Alors bon bah tu fais pause, c'est très bien, on va regarder les détails du match. Voilà, regardez les gars tout simplement. 3 tirs, 3 cadrés, 2 buts pour lui. 10 tirs, 9 cadrés, 0 but pour moi. Voilà, c'est 58% de possession de balle. C'est comme ça. Bon, est-ce qu'il va reprendre le match? Voilà, merci. Allez, Borini pour Balotelli. Allez, c'est parti sur ce contre. Ah oui, dans l'axe, il y a des solutions. Un bon tacle, mais c'est pas fini. Oh, intercept. En bonne position, là. Oh là là, mais Balotelli, pourquoi tu cours dans l'adversaire? Le ballon qui est sorti. Non, mais ça m'énerve, sérieux. En plus, je joue pas si bien que ça, hein, mais c'est moi qui ai pas de chance, je sais pas, c'est les lives, faut que j'arrête les lives en fait, je pense. Rado,
un petit peu là, mais ça doit passer, ça normalement. Perdu. Attention, ils peuvent la récupérer. Et ça c'est bien joué. Il est hors jeu, Bruni. C'est bien défendu. C'est bien. Oh là là. Et Balotelli qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. Frappe à côté. Ah, il faut défendre cette frappe. C'est désolant les gars, c'est désolant, je sais, mais c'est comme ça. J'aurais peut-être dû prendre un milieu de terrain ou un défenseur, j'aurais peut-être dû prendre Giroud. Je pense que j'aurais eu les moyens. Oh la jolie frappe! Oh la défense qui s'en sort bien là, sur ce coup-là. Parce que là, ça va la pas du construction tout. Était je, parfaite. J'ai les actions la passe devant, encore mais ça plus veut pas, parfaite. Ça veut pas rentrer. Ah, c'est dommage, hein, qu'au final, il ne se soit pas plus appliqué. Allez. Là, Mario. On est dans la surface. Oh là 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 là. Il a mal pris ce ballon. Ça rentrera pas. Ça frappe. Ça rentrera pas aujourd'hui. Le ballon qui file en sortie de but. Ouais, c'est bien joué ce contre, attention. Ça rentrera pas aujourd'hui. Malheureusement. Ah, regardez. Regardez pourquoi il lâche le marquage, Soro. Pourquoi tu lâches le marquage? Bon, ça va faire 2-0 à la mi-temps, ça. Et le break qui est bon, on va essayer de rattraper tout ça en deuxième mi-temps, mais. Ouais, j'ai pas de chance, quoi, c'est tout. C'est tout simplement ça, j'ai pas de chance. On a vu du beau voilà, 12 tirs, 9 cadrés. Lui fait 4 tirs, 3 cadrés de but. Moi, j'en marque pas un seul. Ce souci de ne pas fermer le jeu. Pas du tout de réussite. Je, crois que le public a apprécié, hein. Je sais pas ce qui se passe. Bon, il va sans doute faire tourner derrière, voilà, pour essayer de conserver le score. Après, je le comprends, hein, c'est une victoire à l'arraché, mais enfin, c'est pas fini encore. Mais si ma chance continue à être pas si mauvaise, ça risque de finir comme ça. Il doit être en ultra défensif, hein, je pense. Je sais pas, je. Allez, bah, allez Bruni. Oh là 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 là. Et intervention décisive du défenseur, oh oui. Oh, c'est parti. Allez, voilà, on réduit la marque. Ah oui, cette fois c'est fait. On va pas célébrer, on va juste prendre le ballon et on remettre au point de. C'est l'entraîneur des gardiens. On va essayer d'aller en marquer un autre. On va essayer d'être plus technique cette fois parce que là je suis plus en passe. Mais j'essaie de faire un peu plus de technique, surtout que j'ai des Balotelli et Borini qui sont assez techniques. Allez, c'est parti, on est chaud. C'est nous qu'avons le karma. Le ballon pour Mario Balotelli. Parti. Magnifique Balotelli. Magnifique balle pour McKady. Qui remet sur Mofa. Mofa qui centre. Allez Mario, la tête. Enfin, si j'ose dire. Il y a une petite frisson chez les supporters. Ils ont bien à douter sur chaque attaque, pratiquement. C'est parti. Non, tu n'iras pas marquer ton troisième but. Allez, grandissons, t'as 75 de vitesse. Ça peut aller au bout. Dans le bon centre. Voilà, bien joué. Une fois, c'est pas mal ça. On est parti, allez Mario. C'est parti. Oh là là. Allez, voilà. On va changer de possession. Bien joué. On va remettre là-haut à Grandisson. Bien joué. Grandisson, c'est comme vous voulez. Oh non. Ce genre de passe, faut pas les faire. J'ai des joueurs bons, on peut pas trop en demander. Mario. Le ballon pour Mario Balotelli. Magnifique passe. Oh là là, il est sur la trajectoire. Au bon moment. Et le contre, oh là là, regardez cette défense, qui lâche le marquage. Oui, bien joué. Qui n'aura pas plus loin. Je peux pas faire grand chose avec ma défense. Quand c'est lui qui a la balle en pointe, je tremble à chaque fois. Enfin, ma défense tremble, je ne tremble pas personnellement. Mais. On s'est compris. Allez, Balotelli. Pas assez rapide. Ah, si, il est rapide, mais. Voilà, il était parti un peu trop loin. Voilà, on va essayer de marquer ce deuxième but, ce but égalisateur. Alors, regardez ça, ce contrôle. Il va falloir que j'apprenne à mieux jouer que ça avec une équipe, avec un peu de collectif. Eric Valdivia. Le ballon pour Mario Balotelli. On va passer. Oh, j'avais fait la passe, il n'a pas voulu la donner. Et Mario. Oh, la bonne occasion avec ce ballon. Voilà. Un doublé de Borini. Oh, c'est l'égalisation. Voilà, on va remettre le ballon au centre. Avec ce but, c'était à refaire. Et Mario. J'ai glissé. Il l'a bien taclé. Là. Il y a un joueur qui essaye de reprendre le ballon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est mérité. Intercepte. Que je revienne au score. Balotelli est parti.
On s'approche du but. Oh, elle est dangereuse. Voilà. Et ça fait but. Les Gallois qui prennent l'avantage maintenant. Ah, c'est, je suis premier, les gars, j'appuie sur croix, c'est la célébration de Balotelli. C'est la célébration de Balotelli, j'appuie sur croix, en fait, quand vous appuyez sur croix, ça fait une célébration aléatoire. Quand c'est un joueur qui n'est pas vraiment connu, et sinon c'est un joueur qui, c'est la célébration du joueur qui fait. En règle générale, comme par exemple, quand vous appuyez sur croix et prenez le dos, il lève les bras et il monte son nom derrière son maillot, donc c'est la célébration. Donc, par exemple, Messi qui lève les doigts vers le ciel et qui pas trop ce qu'il fait, mais voilà, vous connaissez. L'occasion pour voilà, bien joué défense. Allez, on va chercher la victoire. On va essayer d'en mettre un autre pour se sécuriser. Parti là-bas. Accélération. Et Borini. Attention, il n'y a plus que le gardien sur sa route. Oui, il est passé. Ah, dommage. Bon, jaillissement sur cette passe. Ce on sera 3-2. On est revenu un peu de l'enfer, j'ai envie de dire, parce que. Parce que tout simplement, on avait. Oh, c'est bien parti. Ouais, c'est bien, 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 bien. Je ne vais pas aller avec Balotelli en pointe et essayer de tirer là-dedans. J'aime pas trop qu'on marque des buts comme ça. Donc, des fois, quand je perds vraiment et que c'est nécessaire, je le fais, mais là, je suis en jeu. Oh, super, le but ouais. Borini, donc c'est Borini étonnamment qui marque les deux buts. Hein. Souvent, c'est comme ça. Oh, faut arrêter là, parce que je vais finir par en marquer. Hein. Souvent, c'est comme ça. C'est souvent un... C'est souvent un athée, mais un bon béni, c'est souvent un athée qui marque. Magnifique, magnifique Mario. Ah, c'est ça qui fait Messi. C'est pour lui, peut-être une petite perte de confiance. Voilà, déjà 4-2, on est revenu un peu de l'enfer. Un petit trophée subtil. Il est loin d'inspirer la tranquillité. C'est pas mal ce but. Et le score qui est maintenant de 4-2. Décidément, on a gagné. Oui, c'est un très très bon joueur. Je pense que je vais le tester en équipe de Bundesliga, j'attends qu'il baisse un peu. Mais je vais le tester en version normale, hein, parce que moi j'ai envie de l'avoir joué rapidement. Parce que la gauche, attention, il faut pas rencontrer. En faute, oh, c'est l'ami de touche qu'il signale. Je trouve quand même assez bête qu'ils aient mis aussi Thomas Müller en boosté, donc en version ND. Pour lui décaler le ballon sans doute. Ah, ça tourne. Oh là là là, bien joué. Oh, le gardien qui bat tout. Bien joué, Olic. Un défenseur qui a été un peu en retard sur l'action. Ça va mieux. Oui, ça va mieux. Ouais, c'est d'en mettre un autre parce qu'on n'est pas à l'abri d'une égalisation. Ce ne sera pas mérité, mais. Juste sous la barre transversale. Voilà, ce serait comme ça. Allez, c'est parti. Allez, Fivi pour Borini. Donne à Balotelli. Et départ de Borini. Départ. Non, Fivi est parti. Oh, personne ne peut plus l'arrêter maintenant. Allez, l'enjeu, Borini. Ouais. L'arbitre assistant a levé son drapeau, c'est un hors-jeu. Mon gardien, c'est pas ça non plus, hein. C'est normal, hein. C'est un gardien de 11, on peut pas trop lui en demander. Ah, bonne anticipation sur cette passe. J'arrête de me faire des cadeaux comme ça parce que. Du coup, je fais des passes mauvaises avec le joueur de 11. De la fin. Ouais, pas un très bon match de ma part sur ce coup-là. Ok, elle est bien partie. Oui, gardien. Oh, il s'interpose joliment. C'est ça, peut-être la dernière occasion pour eux dans ce match pour égaliser. Il met la tête. Oh là là là. Chaque fois je tremble quand il s'approche de mes buts parce que mon gardien c'est pas ça. Allez dégage ça. Voilà. Allez Balotelli. Oh là 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 là. On va me faire take down. Oh, il la passe bien, on approche des buts. Oui, c'est tendu là. L'attaque qui est stoppée, oui. C'est peut-être pas oui, fini. Oui, oui. Là-bas, pas voilà. Pour Balotelli. Oh non. J'ai fait une faute. Un petit peu haché, ouais, il y aura 2 minutes, hein, 2 minutes de temps additionnel. Il pas touché. Ah, ils n'ont pas traîné pour le jouer le coup franc. Oh, il se rapproche du but. Oh oui, gardien. Mais le gardien bien présent. Et le gardien qui est monté sur ce. Merci, gardien. Il ouais, faut que je la sauve là. Je sais pas, je sens que je vais me prendre le but là. Je sais pas pourquoi, je le sens. La défense qui récupère le ballon. Ah non, mais dégage mieux que ça. Interception. Là, il va tirer, il va prendre sa chance. Il va pas. Il n'y a pas hésité, il y a le point de match nul. Attention, c'est pas terminé. Allez, victoire 4-3. 4-3, ce sera bon, une victoire 4-3 avec 2 buts de Borini et 2 buts de Balotelli contre 3 buts de Olic. Superbe victoire qui s'explique pas. Assez content, mais bon, même si j'ai fait un match assez moyen. Balotelli et Borini 9,6. Mais c'est mes autres joueurs qui ont des notes toutes pourries. Parce que voilà, c'est des joueurs bronze et je trouve ça normal. Voilà. Il me serait pas venu à l'idée de faire, regardez ça, 18, bon, il fait 11 tirs, 8 cadrés, mais je fais 18 tirs, 15 cadrés pour seulement 4 buts, donc son gardien a été énorme, son gardien costaricien.
On prend nos 3 premiers points, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de prendre les 3 premiers points, donc ça fait déjà 25 minutes de vidéo, donc bon, on va pas tarder à se quitter. Voilà, donc ça fait déjà 25 minutes de vidéo. Donc bah les gars, moi je vais vous dire à la prochaine, donc on va voir ce qu'on peut aller acheter, parce que franchement là, notre milieu défensif, notre défense, c'est vraiment pourri, hein, c'est vraiment mauvais. Vous avez bien pu voir que pendant le match, heureusement que j'avais Balotelli et Borini en pointe. Bon, j'ai pas mal joué, mais j'aurais dû faire un peu plus de technique avec Balotelli. C'est pas grave, on s'améliore, on fera ça mieux pour le prochain match. Celui-là, il a 0 de collectif, donc il va falloir que je l'enlève aussi. Donc c'est un MOC, donc ouais, mais c'est la place de Santi Cassora. Donc, on va voir si on peut pas acheter déjà un défenseur. On va aller acheter Johan Juru. On va aller acheter Johan Juru parce qu'on en a besoin, tout simplement. On va voir si on peut pas le trouver à pas cher. Donc un gunner, hein. Un Juru. Est-ce qu'un mille crédit, il y en a? Oh, il y en a plein, ok, c'est bon. Pas très cher, 800. Il y en a à 700. Oh, regardez celui-là, 813 contrats, c'est parfait. Allez hop, Johan Juru. Donc il nous le fallait, hein, parce que la défense c'est vraiment pas ça, donc on va enlever Soro. Soro il a pas fait un mauvais match, donc on va enlever celui-ci. Hector. Et j'achèterais bien un petit MDC. Voilà, ce sera le dernier joueur qu'on achètera pendant le match. Et donc pour les prochains épisodes, comme je vous l'ai dit, ce sera du résumé. Donc on va se quitter là-dessus, moi je vais acheter Ravi Garcia. On va se quitter là-dessus et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce petit live. Moi en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de le faire. On se retrouve prochainement pour un prochain épisode. Donc du retour de Réfi Balotelli. On se retrouve prochainement pour un prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce vert si vous avez aimé. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. Quant à moi je vous dis à la prochaine. C'était Zoom 35. Merci et à plus tout le monde.